Otep, Hatshepsut, Nachamsuho, Netune Jeb, Amon-Ra, 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 Jézé, Ra Ramesu de Hatshepsut. Dans la fraîcheur de la forêt, sous la brise de la rosée matinale, par le soleil qui n'est pas encore levé, les génies de la forêt, les elfes et les sylphes me donnent ce message pour Assimi Goïta, pour Ibrahim Traoré et pour Fort Nyasingbé. Le message est très simple. Quelqu'un a été dépêché dans les trois capitales afin de mettre en place une stratégie d'élimination de ceux qui ne veulent plus obéir à l'Occident. Même s'il faut verser le sang, ils vont le faire. Même s'il faut attaquer comme Poutine est en train de faire à l'Ukraine, ils vont le faire. Les elfes qui ont permis la télépathie instantanée avec ces personnes que je ne veux pas citer. Dans leur tête, nous avons vu clair. Ils ont envoyé trois personnalités dans les trois capitales respectives afin d'éliminer ces trois présidents qui sont en train de désobéir à leur papa, le colon. Quand bien même que le papa est plus petit. Donc, du point de vue spirituel, on peut avoir 15 ans et votre fils a 95 ans, on le sait. Mais ici, il s'agit du survie de l'Afrique. Je vais être clair avec vous pour que vous soyez hautement prudent. On ne viendra pas vous poignarder, ni un pistolet, ni un soldat acheté. Tout ça là est révolu. C'est complètement révolu. C'est ce que vous prenez comme médicament. Parce que les médicaments ne sont pas fabriqués en Afrique. Donc, vous serez surveillé d'une façon extraordinaire. Comme Dieu arrive à nous voir, nous, on ne voit pas. Votre secret médical est déjà rompu chez eux. Ils ont cette capacité-là. Il y a d'ailleurs même un satellite dans le ciel pour ça. Donc, le moment est venu pour vous de commencer à écraser les plantes pour boire. Faites comme Ibrahim Traoré. Écrasez les plantes pour boire vous-même. Quel que soit votre mot de tête maladie, ne prenez pas un seul comprimé. Le message continue en disant que Poutine a mis en place un cahier vert pour les Africains, les présidents africains, panafricains. Et ce cahier vert permet à l'Afrique de se relever tellement que la plupart des Français viendront faire le métayage en Afrique. Parce qu'il va permettre à ce que l'Afrique ait le pouvoir ultime sur ce qu'on appelle la dissuasion. Rappelez-vous, Poutine, lui, il est loyal, il accorde le respect. Tu le trahis, lui on ne le pardonne pas. Il ne pardonne pas. Tu le trahis, tu vas au cercueil. Donc, vous, cher président, si vous retournez votre veste, je vous conseille de changer de planète. Maintenant, ne faites plus confiance à la France. Ne touchez rien de la France. Aucun médicament. Même les écrans plats venus de la France sont bourrés de caméras cachées. Toute la technologie est connectée chez eux. En tout cas, vous êtes avertis. Je suis l'instructeur spirituel Ra Ramesu II, Ramsès II. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Je suis expert en développement personnel. Je suis télépathe de classe 7.
Cher président, vous êtes utile à notre vie. Vous êtes utile à notre éveil. De grâce, recevez ce message comme un message diplomatique, même si je n'ai pas respecté le protocole diplomatique. Oubliez vos protocoles bizarres qui vous ont créés là. Et réinstaurez le protocole africain. Pour que quand on va chez le roi, on enlève les tapettes, on enlève le chapeau. Hein. On ne touche pas le dos d'un roi. La dernière fois, l'avant-dernière fois où il faudrait aller en France, hein, Macron a pris ce vilain plaisir de frapper dans ton dos. Ça ne se fait pas. Rishi Sunak. À la seconde où il a touché le dos de Rishi Sunak, lui, il l'a remboursé. C'est un langage occulte. Je vous ai dit, n'acceptez plus ça. Il ne doit plus vous toucher. Faites comme le roi de l'Angleterre. On ne touche pas le roi. Du paternalisme bidon. Et on nous fatigue toujours. L'heure est venue qu'on se réveille dans le calme. On n'a pas besoin d'une guerre, mais d'une intelligence de haut niveau. Et commencer à investir en Afrique. Construisez les hôpitaux. Vous comprenez que si vous êtes malade, en Europe, on va vous tuer, mais avant que vous n'atterrissez. Vous n'allez même pas voir la couleur d'un hôpital, cher président. Et vous m'avez dit de construire hôpital de référence. Je crois qu'on en a un à Lomé actuellement. Hôpital Docta. C'est bien. J'espère que c'est à la hauteur des ministres. Sinon, si un ministre quitte le Togo pour se faire soigner, c'est une abomination. Donc, les elfes me disent de vous dire, vous les trois présidents, vous êtes très sensibles à l'Afrique. Vous êtes comme notre existence. Donc, ne prenez plus, j'ai déjà dit, ne plus le répéter. Trop de répétitions là, on va essayer de censurer notre vidéo. Donc, comprenez le message comme ça. C'est les elfes et les sylphes de la forêt qui ont permis à ce que la télépathie instantanée nous soit accordée. Et nous avons pu capter ces messages dont nous vous donnons afin que vous puissiez vraiment aider l'Afrique. Pour qu'un jour, nos enfants, nos petits-enfants aussi disent « Waouh, notre continent est un continent exceptionnel. » Avoir une bombe atomique est une chose magnifique. C'est le seul langage que l'OTAN comprend. Sinon, ils vont vous écraser sur leur passage. Le langage spirituel est bon. Hier, j'ai discuté même d'une autre situation avec mon esprit servant. Vous savez que les esprits servants sont très utiles. Hein? Ils sont vraiment loyaux. J'ai discuté avec mon esprit servant et il m'expliquait que même les esprits, les elfes de la forêt de France et les elfes de la forêt de l'Afrique n'ont pas les mêmes vibrations. Pourtant, c'est un contexte universel et cosmogonique. Donc vous comprenez que jusqu'à ce qu'on se réveille, on va toujours nous considérer comme des petits. Vous comprenez, même les esprits de la forêt de France, hein, forêt de Bretagne aussi, considèrent les esprits de la forêt de l'Afrique comme leurs inférieurs. Quand ils établissent une communication instantanée, comme faisaient nos ancêtres dans l'Atlantide, ils ne respectent même pas ces esprits, alors qu'ils ont le même pouvoir, même capacité. Mais ils veulent utiliser les manipulations. Donc avec le temps, je crois que vous devrez faire des efforts pour aller dans la forêt et se familiariser avec un esprit servant, et de faire le rituel et le récupérer. Et cet esprit servant va vous aider dans beaucoup de vos activités. Parce que le rôle de l'esprit servant, c'est que à tout moment, lui, il est au travail selon le cahier de charge que vous lui donnez. À tout moment, il est en train de travailler. Pour votre bien, pour votre épanouissement, pour votre équilibre. C'est les esprits les plus obéissants qui existent. C'est quand vous ne connaissez pas le protocole, pour les avoir, pour être avec eux, que vous allez finir par aller ramasser un diable au lieu de prendre les elfes. Les elfes et
Surtout les farfadets aussi. Les farfadets, eux, ils sont exceptionnels. Ils font vraiment de très beaux travaux. Donc, chaque esprit a son rôle. Mais avec le temps, nous allons vous donner, si possible, un séminaire dans lequel on va vous permettre d'avoir les esprits servants. Qui vont vraiment être en train de travailler pour vous, pour que vous puissiez, sur le plan spirituel, avancer et avoir beaucoup de visions, beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Donc, l'une de nos capacités de révélation, c'est que, au-delà de nos propres capacités, c'est les esprits de la forêt, les elfes et les farfadets, qui nous permettent de nous connecter facilement à des personnalités de haut niveau qui dirigent le monde et qui peuvent basculer le monde en enfer, afin de pouvoir changer leur mental. Afin de même on peut intercepter des envoûtements. Vous savez qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez regardé le film de Charles Francis Xavier, alias Professeur Xavier X, les mutants. Vous n'avez pas vu là-bas, au début, comment on voulait déclarer la guerre par le pouvoir de celui qui contrôle tout, avec son cerveau. Avec son cerveau. Donc, il y a des gens qui peuvent déclencher une troisième guerre mondiale à travers des envoûtements. Par exemple, vous envoûtez le cerveau de Poutine jusqu'à ce qu'il se réveille, il ne connaît plus son cerveau. Et il largue des bombes partout dans le monde. Vous voyez? Donc, il y a aussi les esprits là qui arrivent à rentrer en communication directe avec les esprits, diplomatiquement avec la forêt de la Russie. Et facilement, on peut intercepter certaines énergies négatives vers de grandes personnalités, afin de ne pas basculer le monde en enfer. Il fait jour, rendons grâce encore à Dieu pour ses bénédictions. Bientôt, nous allons vous proposer un séminaire sur les esprits servants, pour vous montrer comment l'esprit peut vous servir loyalement et vous aider vraiment sur beaucoup de choses. Au TEP.